Allez, bienvenue, nous sommes ici sur le podium Animaux Café. Rejoignez-nous si vous êtes dans les parages. Nous vous proposons de rencontrer les acteurs de la filière des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Et tout de suite, à mes côtés, j'ai Jean-Claude Vieillot qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la société Us. Tout à fait. Alors, présentez-nous Us, c'est quoi? Alors, Us, c'est une société qui a 30 ans d'existence. On vend beaucoup d'alimentation pour animaux en 100% naturel depuis 30 ans. 100% naturel? Oui. 20 ans en France. Notre réseau de distribution, c'est 135 personnes qui ont créé leur entreprise, hein, donc on franchise la marque. Et donc voilà. Et le plus, c'est qu'on est leader au niveau de la livraison à domicile. C'est-à-dire que vous nous appelez et on vous livre à domicile à partir de 25 euros. Ça veut dire quoi 100% naturel, une nourriture 100% naturelle? Alors, tout ce que l'on met dans l'alimentation, c'est à consommation humaine. Il y a beaucoup de plantes, comme des tagettes, par exemple. D'accord. Pour la digestion. On met de l'arpagophytum pour les plus vieux chiens. On fait aussi tout ce qui est complément alimentaire. Donc ça, c'est des éléments qu'on connaît bien par rapport à l'âge du chien. Donc tous ces produits-là, oui, sont 100% naturels. Toute la viande que l'on met dedans, on travaille qu'avec trois viandes, hein, du poulet et non pas de la volaille, du saumon et de l'agneau. D'accord. Donc voilà, hein, pour faire des produits, donc on a des produits sans céréales qui fonctionnent très très bien actuellement. Nous avons des produits hypoallergéniques avec une très bonne céréale qui est le riz. Et donc voilà. Pour quels animaux sont destinés ces produits alimentaires? Alors, pour les chiens et pour les chats. Mais pour les chiens, qu'on a envie qu'ils aient une bonne vie, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un beau poil, une belle peau, qu'ils ne prêtent pas trop de poids. Voilà. D'accord, donc tout ça pour le bien-être, pour la santé. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de produits que vous proposiez aussi, des produits naturels en pour aroma... les chevaux, naturellement. Ah oui, exactement, on a toute une gamme de phyto- et d'aromathérapie pour les chevaux. Alors ça, c'est une demande des cavaliers, parce que bon, ils essayaient pour leurs chiens nos produits, ils en étaient très très satisfaits. Donc on a sorti des gammes aussi pour les articulations des chevaux, des produits pour la respiration, des produits pour les sabots, voilà. D'accord. Même des vermifuges aussi, hein, même sur le salon, là, si les gens veulent en profiter. On vend aussi bien pour les chevaux, mais aussi pour les chiens et les chats, des vermifuges en 100% naturel. Ça, c'est intéressant. Ouais, je trouve. Pour le grand public, oui, comme ça, on n'a pas besoin d'aller de courir. Il faut profiter d'être ici, sur le salon Paris Animal Show, et d'aller chercher des vermifuges, même en avance. C'est bien. Combien de fois on vermifuge les animaux par an? Ce qui est bien, surtout en naturel, c'est de le faire une fois par trimestre. D'accord, voilà. Ouais, ça, c'est parfait. Donc, on en prend un petit peu pour l'année. Voilà, et ça n'abîme pas la flore intestinale, mais si les gens viennent me voir, je leur expliquerai vraiment en détail. D'accord. Alors là, vous nous avez apporté quoi? Ça fait partie de vos nouveautés? C'est une litière pour chat? Exactement. Alors, c'est une exclusivité. Aujourd'hui, c'est une litière qui détecte le taux de protéines dans l'urine du chat. D'accord. Alors, c'est plus fort que le pH, hein, parce qu'un des détecteurs de pH, ça existe, mais le pH varie rapidement. C'est-à-dire donc, que là, même c'est, nous... C'est une litière qui analyse. Exactement. C'est comme un médicament. Ok. Et cette litière, si vous voulez, si, pour le pH, nous, demain, on mange des asperges ou d'autres légumes, notre pH peut varier. Que le taux de protéines dans l'urine, c'est que vraiment le rein filtre mal. Ce qui est souvent un problème du chat. Exactement. Et donc, créer des calculs rénaux qui sont très, très compliqués pour le chat et qui lui font très, très mal. Donc, vous avez des détecteurs dedans. Et donc, s'il reste jaune, bah, tout va bien. Hein. C'est la bonne nouvelle. Hein. Comme nous, quand on va faire une prise de sang, on n'a pas de cholestérol. C'est ça, on est bien content. On est ouf. Exactement. On va pouvoir manger du beurre. Exactement. Le détecteur passe vert. Donc là, il faut donner plutôt une croquette un peu plus acide de l'urinari. Et quand ça passe au bleu, là, vraiment, on demande aux gens d'aller voir le vétérinaire. On parce s'inquiète. Que c'est vraiment... Oui, ça craint. On s'inquiète. D'accord. Donc, c'est, en fait, la litière, voilà. On va essayer de vous la montrer. Alors. Ok, comme ça, au public aussi. Hein, c'est une litière qui a l'air tout à fait. Vous pouvez la regarder, elle est propre. Il n'y a pas de salissure dedans. Non. Alors, d'accord. Les ingrédients dans cette litière, c'est une bentonite blanche, hein, donc qui agglomère. Dedans, il y a 3% de charbon naturel, donc qui absorbe vraiment les odeurs. Hein. C'est comme dans une hotte de cuisine. D'accord. Dedans, vous avez également les détecteurs. Et puis, il y a un petit peu d'huile essentielle de thym qui est un désinfectant. Alors, on aime bien les plantes hein, chez Us. Hein. Donc voilà. Et c'est aujourd'hui, c'est la seule litière comme celle-ci sur le marché. Elle est commercialisée déjà? Oui. Et sur le salon, alors je le dis doucement parce qu'il m'en reste presque plus, mais aujourd'hui, pour l'achat d'une litière, j'en offre une deuxième. Donc pour 11,50€, les gens repartent avec 2 mois de litière pour un chat. De litière pour un chat. Donc voilà. ça, c'est parfait. C'est vrai qu'on trouve plein de beaux produits ici sur ce salon. On a presque envie de tout acheter, même d'acheter des chats. Moi, j'en ai pas. Je vais aller
prendre un chat. Je comprends. Voilà, ça manque à la maison. Mais vous savez, même un chat, faites-le accompagner d'un chien, il y a tout aujourd'hui. Oui, hein. Mais le chien, j'ai déjà. Non, mais ma chienne ne veut pas de chat. Bon. C'est elle qui n'en veut pas. Venez me voir, je vous donnerai un échantillon d'alimentation. Je donnerai un repas pour votre chien. Ah, c'est gentil, merci. Merci infiniment, Jean-Claude, d'être venu nous présenter. Donc, Us est juste derrière le podium Animaux Café. Hein. Vous connaissez le numéro de votre stand? C01. C01. Ouais, vous êtes juste à l'entrée, juste de toute façon. Exactement. On ne peut pas vous louper. Donc, bravo donc, pour cette innovation. Merci, on vous souhaite un bon salon. Merci. Et nous, dans un instant, eh bien, on va faire une petite pause. On se retrouve après, à l'heure du déjeuner. À tout de suite. Merci beaucoup.